Aujourd'hui sur Roblox Brookhaven, je suis devant l'épicerie et comme tu le vois, il y a personne qui travaille. Et donc là les gars, ça va être l'occasion de se faire un tout petit peu d'argent. Car ce que je vais faire, c'est que je vais aller voler directement à l'intérieur de l'épicerie l'argent. Parce que là j'ai vraiment besoin d'argent et aujourd'hui, je veux vivre une vie de criminel sur Brookhaven. Et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox. Donc, à ta place, je m'abonnerai pour avoir plein de Robux. Donc bon, ce que je vais faire, hop là, c'est qu'on va s'approcher un peu de la caisse. On va essayer, est-ce que je peux la pirater? Non, j'ai pas l'impression que je peux pirater la caisse. Oh, ok, on va essayer de voler l'argent autrement là, parce que la pirater, ça a pas l'air de trop marcher. On va s'équiper d'une bombe. Et là, normalement, avec la bombe, je devrais pouvoir obtenir tout l'argent de l'épicerie de Brookhaven. Donc attention, on pose la bombe et boum, on fait tout péter. Et on a réussi à obtenir plein d'argent. Et oh non, par contre, il y a l'alarme. Faut se dépêcher de s'enfuir puisque juste là-bas, il y a la police qui est déjà en train d'arriver. Ils ont entendu l'alarme. Ok, vite, 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 je vais m'équiper d'une voiture pour partir très, très rapidement avant que la police, elle ait le temps de me choper, là. Vite, on s'équipe. Et oh non, le policier, il est descendu juste derrière. Il allait commencer à me choper. Et là, regardez, il est remonté dans sa voiture pour me poursuivre, ça va pas du tout. S'il me poursuit, ça va faire très mal. On va vite essayer de le fuir. Et regardez, il est juste derrière moi en train de me poursuivre. Je crois que le policier... Oh mince, j'ai heurté une voiture en plus. Je crois qu'il a capté que j'étais un dangereux criminel. On va essayer d'augmenter un peu la vitesse de la voiture. Et on va essayer de le fuir là, parce que là, il est en train de me poursuivre, ça va pas du tout. Allez, on fuit, on fuit, on fuit. Et oh non, par contre, il me poursuit de près là. Il est vraiment pas loin derrière moi, il faut bien que j'arrive à le fuir. On va essayer de rester quand même dans la route, sinon il va réussir à me choper là, le policier. Ok, faut que je trouve un moyen de m'échapper sans qu'il me chope. Et oh mince, il est toujours derrière moi. Vite, ok, faut que j'accélère. Ok, on va essayer d'aller peut-être vers une maison ou quoi se cacher. On va voir s'il réussit à me choper, en tout cas, j'espère pas. Où est-ce que je peux me cacher les gars? Faut que j'arrive à fuir le policier là. Ok, on va aller se cacher. Où est-ce que je peux? On va aller se cacher un peu dans la ville. Et on va se cacher. On va se cacher derrière. Tiens, je sais où on va aller. On va aller dans le parking secret. Ok, on va aller se cacher juste ici. Et j'espère que le policier va pas réussir à me choper. Et ok, où est-ce qu'il est? Il est juste devant le policier. Et oh mince, me dites pas qu'il m'a vu. Je crois qu'il se doute de quelque chose là. Il a l'air de fouiller autour de lui. Il se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ok, non, c'est bon. Les gars, le policier repart. On a réussi notre premier braquage en tant que criminel sur Brookhaven. Allez, hop là, denté dans le policier. Snappy 1, le policier 0. Il est vraiment trop nul. Bon, on va essayer de s'enfuir pour faire le deuxième braquage. Et oh non, il est juste là. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'ai pas le choix là. Le policier, il est armé, il est juste devant moi, j'ai pas trop le choix. Et oh non, il est descendu avec son arme. Qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je fais? Et il me dit quoi? Police? Oh non. Je crois qu'il va me dire de sortir de véhicule. Il m'a dit je vous arrête. Oh non, je suis en état d'arrestation les amis. Au nom de la loi. Ok, ok, on descend du véhicule. Quittez le véhicule, il a dit. Oh non, ça craint de fou furieux. J'ai pas envie de quitter le véhicule moi. Et en plus il me donne des menottes. Et oh non les gars, par contre du coup il m'a passé les menottes là. Ça craint de fou furieux. Qu'est-ce que je peux faire? Me dites pas qu'il va m'amener dans la grande prison là-bas là. Il a dit quoi? Suis-moi le requin. Oh non, il m'amène dans sa voiture. Je crois qu'il va essayer de m'emmener avec lui en prison. Ça craint les gars, je suis vraiment pas doué, j'ai réussi à me faire choper par le policier là comme ça. Et là on est dans sa voiture, il est en train de m'amener en prison. On est en voiture de police là. Oh non, ça craint. S'il m'amène en prison, ça veut dire que je pourrais plus continuer ma carrière de criminel moi, ça va pas du tout. Et oula, il est vraiment pas doué le policier. Il vient d'abîmer sa voiture là. Bon, il m'a pas l'air très doué ce policier, heureusement. J'espère que je vais réussir un peu à le douiller là, vu qu'il est pas très doué. On va essayer de pas rester trop longtemps en prison non plus. Puisque là, il a l'air de m'amener en prison de Brookhaven. Oh non, ça craint de fou. Et attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je crois qu'il attend qu'une personne vienne ouvrir. Et juste à côté, je crois que c'est la gérante de la prison. Puisque elle lui a ouvert la prison. Et du coup, là, il m'a amené devant la prison. Oh non, ça craint. Ça craint de fou furieux. Et c'est qui lui? Pourquoi il y a un russe qui va en prison aussi? Bon, ok, apparemment, il a dit descend. Oh non, je vais devoir suivre le policier jusqu'à la prison. Ça craint de fou furieux. Et wow, il est en train de tirer sur tout le monde, le policier. Il vient de faire tomber quelqu'un à terre. Ok, ok, je te suis. Oh là là, il me fait beaucoup trop peur. Il vient de faire tomber quelqu'un à terre carrément, ce policier. Ça craint de fou. Et oh non, j'ai activé l'alarme en plus. L'alarme a détecté que j'étais un méchant criminel. Ça craint de fou. Bon, où est-ce que je vais devoir aller ici? Et wow, il s'est équipé d'une arme. Ok, ok, je vous suis, monsieur le policier. Amenez-moi où vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène en prison. Oh non, ça craint, il va me mettre dans quelle cellule? Ok, faut que je sois stratégique, faut que je réfléchisse à une cellule où on peut s'évader. Est-ce que dans cette cellule-là, je peux m'évader?
On va essayer d'aller voir, est-ce que... Oui, ok, il y a un passage secret. Monsieur le policier, je peux rentrer ici? Ah bah il m'a dit quoi, rentrer ici? Ok, bah je vais aller dans cette cellule-là, ouais, c'est parfait. En prison? Oh non, bon les gars, vous en faites pas, je vais pas rester très longtemps en prison. Je ne resterai pas 5 minutes de plus avec ce policier-là. Même 30 secondes, c'est déjà trop. Et il m'a dit quoi, prison pour le requin? Mais il est vraiment trop méchant ce policier. En plus, il ressemble au policier de ce Subway Surfer là. Bon, c'est... Il est franchement hyper méchant ce policier. On va attendre qu'il parte un petit peu. Mais bon, il me fait très très peur lui. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me fixer là. Il m'a dit quoi? Il m'a dit greux. Il me fait très peur. Il a l'air très énervé ce policier. C'est clairement pas bon signe. Et ok, ouf, il est reparti en bas de la prison. Les gars, ça va être le moment pour nous de nous échapper par moi, parce que bon là, je vais pas rester très longtemps non plus dans cette prison là. Rester aux toilettes, c'est marrant 2 secondes, mais j'ai pas envie de rester dans cette prison. Moi, ce que je veux, c'est mener une vie de criminel. Et pour mener une vie de criminel, on va devoir s'échapper directement de la prison là. Et heureusement, juste à côté, on a un passage secret pour s'évader de la prison. Ok, par contre, faut que je m'équipe d'une lampe torche là, on voit rien du tout ici. Ça va pas le faire si je reste comme ça là. Hop là, on s'équipe d'une petite lampe torche. Et voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Ok, on va essayer de se repérer afin de s'évader de la prison là. Donc, d'où est-ce qu'on vient là? Où est-ce que je peux aller? Ok, est-ce que c'est par là? Donc là-bas, c'est là d'où on vient, je crois. On va essayer de chercher un peu. Ok, par là ici, est-ce qu'il y a quelque chose? On va essayer d'avancer. La technique, normalement, si on veut s'évader dans un labyrinthe, c'est de toujours se coller à droite. C'est ce que je vais faire. On va essayer de toujours se coller à droite. C'est quoi ici? C'est un autre endroit de la prison. Ok, non, c'est pas là où on veut aller. Nous, on veut s'évader de la prison. Donc, toujours coller à droite. Ok, on se colle à droite, on se colle à droite. De mémoire, c'est par ici. Ok, on va essayer d'avancer tout droit comme ceci. Et normalement, je devrais réussir. Oh oui, la baya du verre, c'est par ici. Les gars, le chemin de la liberté. Et oh non, je crois que j'ai refait sonner un truc dans la prison. Mince, il va se douter que je me suis échappé. Vite, vite, vite. Faut se dépêcher de s'échapper avant qu'il capte qu'il y a un truc qui a sonné. Et c'est nickel les amis, j'ai réussi à m'échapper de la prison. Nous voilà de nouveau libres et on va reprendre notre vie de criminel là parce que c'est hors de question que je reste 5 secondes de plus ici. Là franchement, la prison c'est beaucoup trop horrible, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc bon, on va directement se rééquiper d'une voiture. Et cette fois-ci, je vais prendre une voiture un peu plus résistante quand même. Parce que celle-là, je me suis fait choper beaucoup trop rapidement. On va s'équiper, voilà, d'une voiture comme ceci, une voiture blindée. Et là, normalement, je résisterai beaucoup mieux aux policiers, les amis. Puisque là, franchement, la voiture, elle est beaucoup plus résistante. Par contre, elle est pas spécialement plus rapide. Ok, je vais l'accélérer un peu. Et faut pas que le policier, il arrive à me rechoper, par contre. Sinon, ça va craindre pour moi, ça va chauffer. Ok, on va essayer de retourner dans la ville de Brookhaven. Et où est-ce que je peux aller? Normalement je vais pouvoir voler des trucs maintenant dans Brookhaven. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux aller voler. Je pense qu'on va essayer de voler la caisse d'un autre magasin. Et bon, par contre le policier va être au courant si je vole un autre magasin. Et oh non, il est déjà juste derrière moi. Ok, on va se dépêcher, on va vite aller au Rockstar de Brookhaven. Et on va aller ici aussi voler la caisse. Donc pareil, est-ce que je peux la pirater? Non, je peux pas pirater la caisse, ça marche pas. J'arrive pas à pirater la caisse. Et le policier il est juste devant moi. Ok, vite, on va poser une bombe et on va vite récupérer l'argent. T'inquiète, j'ai encore une bombe, oui. Allez, on pose une bombe et on active, boum. Et oh non, ça marche pas. Les gars, j'ai rien volé du tout. Et par contre, j'ai réussi à aveugler le policier. Ok, vite, 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 on va partir avant qu'il ait le temps de reprendre ses esprits là. Allez, vite, on part très loin avant qu'il ait le temps. Bon, apparemment, ce magasin, il marche pas du tout pour le voler. Je vais essayer d'aller en voler un deuxième. Et juste là-bas, au niveau de la station essence, il y a un deuxième magasin. Lui, normalement, on devrait pouvoir le voler. Hop là, on va se mettre devant le magasin. Et par contre, j'ai pas d'armes. Comment je fais pour m'équiper des armes, moi? Ok, je sais ce qu'on va faire. Juste avant d'aller braquer le magasin, on va rapidement aller chercher des armes quand même là parce que... Oh non, il y a le policier. Ok, ça craint. On va vite aller prendre... Bah, on... Oh non. Ok, bon, vous savez quoi? On va aller rapidement braquer le magasin là. On va vite aller faire sauter la caisse là et on va tout voler. Pas le temps pour prendre des armes. Boum! On casse la caisse et on vole tout. Et oh non, le policier il est juste devant et il est armé en plus. Ok, bon les gars, faut clairement que je fuis parce que le policier il a pas l'air content du tout. Il est en train de me poursuivre là. Il me poursuit avec son arme. Il a pas l'air de m'apprécier du tout. Moi aussi, faut que j'aille rapidement m'équiper des armes afin de pouvoir faire le plus gros braquage de tout Brookhaven. Car là, il faut maintenant que je fasse le braquage de la banque de Brookhaven. Donc, on va se dépêcher. Hop là, on va s'arrêter ici. Et on va vite aller braquer la banque. Hop là, on va dans le passage secret. Et là, grâce au passage secret, les gars, je vais pouvoir m'équiper des armes afin d'aller braquer la banque. Ok, on va se dépêcher. On clique juste ici. Et là, normalement, on a des armes. Et oui, regardez, on a une arme juste ici. Et hop là, c'est parfait. Je me suis équipé une petite arme. On va directement aller voler la banque, là.
Allez vite, on y va, on va vite voler la banque de Brookhaven. Et là, je serai officiellement le meilleur des criminels. Je pourrai m'enfuir de Brookhaven avec tout l'argent. Allez vite, 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 on va à la banque. Et il est temps d'aller voler la Brookhaven Bank, l'endroit où il y a le plus d'argent de tout Brookhaven. Là, si je fais ça, je vais pouvoir franchement me mettre hyper bien. Et oh non, le policier, il est juste là-bas par contre. Faut que je me dépêche avant qu'il arrive. Vite, on fait sauter la banque. Et on se dépêche de partir avec tout l'argent là. Parce que l'alarme elle est en train de sonner. Il y a tout qui prend feu. Et je crois que le policier il se doute de quelque chose là. Regardez, il est juste devant. Il a activé les gyrophares là. Et regardez, il a reçu un message en plus, le policier. L'alarme de la banque a été déclenchée. Et oh non, il est juste là. Vite, faut que je fuis avant qu'il ait le temps de me choper là. Il a réussi à me choper à la banque là. Ok, faut que vite que je fuis avant qu'il ait le temps de me rattraper. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là-bas? Je crois qu'il a pas vu par où je me suis enfui. Normalement, s'il a pas vu, je vais pouvoir m'enfuir, moi. Ok, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il a pas vu. Ok, il a pas vu, c'est nickel. On va vite essayer de s'enfuir avant qu'il réussisse à nous choper. Parce que là, quand on va sortir d'ici, normalement, il va réussir à nous voir. Donc, faut que je me dépêche d'aller prendre l'avion, moi. Je vais aller prendre l'avion avec tout le bulletin qu'on vient de ramasser, là. Et là, dans un autre pays, plus personne ne pourra jamais me retrouver. Et, oh non, il y a le policier. Ok, vite, faut que je me dépêche de fuir, là. On va activer la vitesse à fond la caisse de la voiture. Et on va se dépêcher d'essayer de fuir, là. On va essayer de le fuir. Et vous savez quoi? On va même rentrer dans le policier à coup. Allez, boum! Allez, hop là! On fait sonner sa voiture, là. Et oh non, je crois que ça l'arrête toujours pas. Il est toujours en train de me poursuivre. Attendez, les gars, faut que j'arrive à lui re-rentrer dedans à coup. Et aïe! Je viens d'avoir un accident. Ma voiture, elle répond plus, les gars. Je viens de foncer contre le mur. Et le policier non plus. Lui aussi, sa voiture, elle répond plus. Il vient de foncer contre le mur. Et oh, oula, j'ai l'impression qu'il a eu super mal, le policier. Puisqu'il vient carrément de s'évanouir. Ok, on va vite essayer de s'évader avant qu'il arrive à se relever. Puisque là, s'il se relève, ça va craindre de fou. Ok, on va se dépêcher d'essayer de s'évader. Et on va aller embarquer dans l'avion. Et oh non, j'ai été détecté. Arme détectée à l'aéroport. Et le policier vient de se réveiller en plus. Oh, le policier, tu rentres pas. Tu rentres pas, je te dis. Allez, recule. Recule ou je tire. Je tire. T'avanceras pas, policier. Fuis vite de la banque. Et ok, les gars, le policier, il a eu peur de mon arme. C'est parfait. On va se dépêcher d'aller prendre l'avion avant qu'il pense à revenir là. Et c'est bon, j'ai réussi à rentrer dans l'avion. Me voilà parti pour un autre pays très très loin. Et le policier me retrouvera jamais. C'est totalement parfait. Les gars, on a réussi à devenir le meilleur criminel de Brookhaven, les amis. Sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous un ami qui sont abonnés, qui ont rejoint mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.